Alors que plusieurs rencontres internationales se disputent pour le compte de la Ligue des Nations, les barrages de la Coupe du Monde ou encore les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a aussi de nombreux matchs amicaux qui se disputent en ce moment. Les joueurs ne sont pas en vacances ce jeudi. Le Brésil a facilement battu la Corée du Sud 5-1. Lancé par Richarlison à la 7e minute, la Seleção a pourtant rapidement concédé l'égalisation par le joueur bordelais Yuang à la 31e minute, auteur d'une belle frappe croisée par la suite. Neymar s'est offert un doublé avant deux derniers buts de Coutinho et de Gabriel Jesus. Une bonne reprise en matière pour les joueurs de Tite. À noter qu'avec ces deux réalisations, Neymar n'était plus qu'à 4 buts du record de Pelé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Il est déjà le meilleur passeur de l'histoire du Brésil, un peu comme Messi lors du rassemblement de l'Argentine pour le match contre l'Italie lors de la finalissima. Les deux hommes affichent un sourire qu'ils n'ont pas forcément en club avec le Paris Saint-Germain. Avant le prochain match contre le Japon au Stade National de Tokyo, les joueurs brésiliens préparaient le match comme toujours, mais cette fois, alors qu'on pensait à une plaisanterie démarré par Daniel Alves, les choses auraient dégénéré entre Richarlison et Vinicius Junior. Certaines sources parlent d'une moquerie sur le prochain ballon d'or, d'autres d'une pique de Richarlison demandant le score du match classico facilement remporté 5-0 par le FC Barcelone. La petite échauffourée n'aurait pas duré longtemps et même Richarlison s'en est amusé sur son compte Instagram. Enfin, le Brésil a battu le Japon sous le nid sur un score de 1-0, une réalisation du joueur du Paris Saint-Germain Neymar encore décisif avec la sélection brésilienne à la 77e minute de jeu dans un match très serré avec des joueurs japonais qui ont tenté de tenir en échec la Seleção. Neymar est maintenant à 3 buts du record de Pelé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne.